Marcel Sabitzer par-dessus le mur et c'est magnifique. Le spécialiste exceptionnellement placé. Bim, parfaitement là où il le fallait. Pavlenka est à terre. Minarit, ça va passer par un exploit personnel, peut-être là à l'extérieur. Oh oui! Mais bien sûr que oui, ça passera par un exploit personnel. Et il est signé à Minarit, le héros de la fête de Sarena, ovationné face à une foule extatique, 60 000 personnes debout. Quel geste énorme de la part de l'international marocain, l'ancien Nantais, qui vient mystifier la totalité de la défense de Mayence. A commencer par Aaron Martin à replacer cet extérieur pied droit. C'est là qu'il parle de justesse. Oui, regardez Chiesa, il est parti, il a pris le meilleur sur Palomino. Le centre pour Franck Ribéry. La reprise de Ribéry. Oh oui, but. Il est là, le premier but de Franck Ribéry à la 65e minute. On vous le disait, il ne manquait plus qu'un but à ce garçon depuis son arrivée sous le maillot de la Fiorentina. C'est fait. La Fiorentina mène 2-0. Ribéry a marqué et la Fiorentina peut être libérée. Il est beau ce but. C'était l'unique solution pour Chiesa et presque l'unique geste à réaliser. Carminé qui s'élance et le contre-pied pas parfait, c'est le poteau, la barre. Oh, la reprise signée Darko Lazovic. Gianluigi Buffon sauvé par deux fois par ses montants. Récupération, Sofiane Amrabat qui décale Faraoli, le centre et c'est envoyé par Demiral. La frappe, quel but de Miguel Veloso. Cette fois-ci, Gianluigi Buffon s'incline après avoir été sauvé deux fois par son montant droit, puis par sa barre transversale. La somptueuse demi-volée signée Miguel Veloso. Coup de tonnerre sur l'Allianz Stadium. Oh, quel but! Oh, quel but signé Miguel Veloso. Alors, on revoit ce pénalty renvoyé par le poteau droit de Gianluigi Buffon. Et alors là, sur ce second ballon, que dire de cette demi-volée qui vient nettoyer littéralement la lucarne droite de Gianluigi Buffon. Trop court pour pouvoir atteindre ce ballon. Quel but! Quel but de Veloso!